10 507. 10 507. What? C'est possible ça? 10 507. Tu sais ce que c'est ce nombre? C'est le record du monde de pompes consécutives. 10 507. Battu par Minoru Yoshida. Donc un japonais. 10 507. Est-ce que tu imagines comme ce nombre est hallucinant? Alors bien sûr, j'ai pas trouvé de vidéo, tu vois, j'ai pas trouvé de vidéo qui permettait de voir si la technique était bonne, mais de toute manière, bonne ou pas bonne, 10 507 pompes consécutives, c'est the fuck. Moi qui voulais battre le record, je crois que c'est foutu, hein. Donc salut et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Tu l'auras compris, je pense. Aujourd'hui, on va tenter rien du tout en fait, parce que 10 507, je suis complètement con. On va rien tenter du tout. Aujourd'hui, je vais juste tester au final mon maximum de pompes consécutives. Des pompes clean comme je t'avais fait dans la précédente vidéo, c'est-à-dire tu descends bien bas et tu remontes les coudes complètement détendus. On va voir mon maximum de pompes, je ne l'ai absolument jamais testé, je ne sais absolument pas quoi, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je sais pas si ça, bon je sais que ça va être plus que, je pense un petit peu plus, ah vas-y, c'est quoi, on va faire des estimations. On va faire un sondage, je vais créer un sondage juste là, dis-moi ce que tu penses. Tu penses que je vais plus me situer entre 0 et 50, entre 50 et 100, ou alors est-ce que je vais réussir à en faire plus que 100? À savoir que je n'ai absolument jamais testé de toute ma vie mon maximum de pompes. C'est une première. Ah, voilà. Bon, bah écoute, ça va être une vidéo courte, mais qui, je pense, va être très intense. Donc maintenant, bah écoute, je te laisse avec la vidéo. On va voir combien je fais. Ah, bon allez, qu'est-ce qu'il a bien pu faire ce con? C'est parti, réaction en direct. Là j'étais chaud, là dans ma tête j'étais parti pour les 10 000 pompes. Allez, encourage-moi derrière ton écran, je t'engage à m'encourager, ok? Là tu vois, pour moi c'était le feu dans ma tête, c'était mais le record du monde, mais les 10 000, je vais les exploser. Et puis ouais voilà, là arrivé à 25, tu vois, dans ma tête j'étais en train de me dire ah merde. Mais je gardais une certaine fierté. Là, à ce moment précis, juste là, dans ma tête, je me disais 40. Alors qu'en fait, j'étais à 34. Genre déjà, si je compte mal, ça commence mal. Quoi. Putain, mais quel homme. Mais quel homme. Bon, tu m'excuses, hein, moi je bois ma tisane. Hein. Attends, c'est bon, j'ai donné. Hein. Et attends, ouais, exactement. Ouais voilà, à partir des 50 environ, là, ça a été la descente aux enfers. Chaque pompe n'était que douleur. Je pense que tu le vois dans la petite check à la caméra pour voir si ça filme. Parce que sinon, putain, je me suicide. Mais là, j'ai donné tout. Bah les gars, pour ce défi, j'ai vraiment tout donné jusqu'au bout. Là, tu vois que je m'arrête, mais je restais en position pompe. Tu vois, je montais pas les fesses, je posais pas mes genoux, tu restes en position pompe. Donc en fait, si tu veux, même les abdos, ils travaillent. Là, le gainage, il travaille à fond. Ah là, je donnais tout. Putain. Je t'explique même pas la congestion que j'ai eue à la fin de ce défi, mais c'était hallucinant. C'était hallucinant. J'avais même mes bras qui partaient en couille quand je déverrouillais au bout d'un moment. Et là, dans ma tête, j'étais à 90, là, tu vois. Même plus, non, 89. Enfin... Et mon objectif, en fait, je me suis dit, allez, faut que je fasse 100. Mon but, c'est de faire 100. Là, je suis trop près des 100, je vais y arriver. C'était ça mon seul objectif. Sauf que dans ma tête, là, j'étais à 91, tu vois. Alors que pas du tout. Quand j'ai revu les images, j'étais trop dégoûté. C'est beau. Là, c'était dur. Oh. Là, c'était extrêmement dur. Je sentais mon gainage, rien que mon gainage qui commençait, le dos qui commençait un peu à courber, tu vois. Alors, je sentais que j'en chiais à mort, là. Les dernières. Yes. Suspense. Là dans ma tête j'étais à 99. Et voilà. 87. Putain, j'en ai chié pour tes filles. Bordel de merde. Voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée. Alors je tourne la conclusion quand j'ai fait l'introduction, mais je ne savais toujours pas combien j'avais fait parce que je vais faire mes pompes juste après en fait, tu vois. Donc m'en veux pas, je vais pas te dire le nombre là parce que je sais pas. Donc j'ai fait
temps de pompe. Ce que je voulais juste te dire pendant cette conclusion, c'est que en fait, je vais essayer de faire plus souvent des challenges sur ma chaîne parce que c'est selon moi, je pense, tu vois, une manière pour moi comme pour toi de faire du sport de manière plus ludique. Je dis, bon, allez, c'est pour le fun, bim, on fait des pompes, mais au final, ben, je pense que ça travaille bien, tu vois. Je sais pas dans quel état j'ai été à la fin, mais je pense que je vais être bien mort. Voilà, bah écoute, c'est tout pour moi pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager, à essayer toi-même de faire ton propre record, à venir me le partager en commentaire ou sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo qui, j'espère, va arriver bientôt. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao !